Bienvenue sur Immersive Games TV, la chaîne 100% immersion dans les jeux vidéo. Et plus spécialement pour le sim racing, la VR, les jeux rétro et les simulateurs de vol. Je suis super content de vous présenter ma toute première vidéo. Je vais vous présenter deux des meilleurs modes en sim racing pour piloter une Formule 1 sur le circuit international de Bahreïn. La saison 2023 de F1 démarre, c'est aussi l'occasion pour nous de vivre cet événement via le sim racing. Pour cela, on va s'attarder sur Assetto Corsa et R Factor 2. Bien sûr, vous devrez déjà posséder ces deux jeux dans votre PC. Alors il faudra rajouter un petit supplément ou deux pour les mods, mais rien d'excessivement cher. Le but est de se faire plaisir sans se ruiner. Alors pour les deux jeux, il y aura une partie tuto pour bien vous expliquer comment vous approprier les outils, comment installer vos mods, où aller les chercher, et ensuite je vais vous donner mon avis, mes impressions, ce que j'ai pensé de ces mods et pourquoi pour moi c'est les meilleurs. Je compte sur vous pour m'encourager pour ma toute première vidéo. Mettez des pouces, des j'aime, partagez la vidéo, likez, mettez des commentaires, je compte sur vous. Allez, attachez vos ceintures, c'est parti après le générique. Le premier mode qu'on va vous présenter, c'est Formula Hybrid 2022 de RaceSim Studio. Il faut aller sur le site donc de RaceSim Studio. Vous allez sur la section Shop. Donc ça charge un petit peu. Ensuite, vous allez tout en haut à droite. Vous avez le mode Formula Hybrid 2022. Parce qu'il n'y a pas encore le 2023, il n'est pas encore sorti. Donc voilà. Vous voyez que le prix est à 1,99€, hein, donc il y a une réduction de 50% en ce moment. En euros, ça doit faire 2,50€, quelque chose comme ça, ou un peu plus. Donc vous mettez ajouter au panier, et une fois que vous l'avez ajouté au panier, vous pouvez payer par PayPal, etc. Et donc il vous donne un lien de téléchargement que vous allez chercher, et vous allez le placer dans Content Manager, ou le dézipper hein, dans le dossier Assetto Corsa. Donc Content Manager, on reviendra dessus éventuellement. C'est un outil qui permet de gérer beaucoup de choses sur Assetto Corsa. Donc vous installez le mode Formula Hybrid. Donc il s'installe tranquillement. On attend la fin de l'installation. Donc pour ceux qui n'ont pas Content Manager, vous pouvez bien sûr dézipper le mode dans Content, Cars, tout ceci dans le dossier du jeu. C'est très simple. Ensuite, vous allez sur le site de Race Department. Donc pour télécharger les skins 2023, vous tapez Resources by Shadows 118. Voilà, vous avez la possibilité d'avoir toute la grille, donc 2023, ou alors vous retapez Resources by 118 et puis vous avez les livrets individuels. Je vous conseille de les télécharger individuellement pour moins de risques de bug. Donc voilà, vous les installez une à une. Donc là vous les voyez, hein, donc là c'est l'Alfa Romeo, très belle. On télécharge, on passe à la suivante. Donc là c'est la Ferrari. Ensuite la Red Bull, vous avez compris le principe. J'accélère un petit peu. Donc là voilà, vous les téléchargez toutes. Voilà, plus que quelques-unes. Voilà, donc là c'est l'Alpine, il y a deux versions d'Alpine, hein, donc il y a la rose et puis la version régulière. Et donc là vous attendez, hein, vous voyez tous les fichiers qui se téléchargent en même temps. Vous sélectionnez tous les fichiers récupérés et vous faites extraire, vous dézippez le tout. Vous inquiétez pas, ça va aller dans un seul et même dossier qui s'appelle Content. Voilà, donc vous allez couper ou copier comme vous souhaitez. Vous allez dans le dossier Common de Steam et donc vous allez chercher le dossier Assetto Corsa et vous collez
le dossier Content directement et ça va vous proposer de remplacer les fichiers et vous dites oui. Et voilà, c'est terminé. Pour ce qui est du circuit, toujours sur Race Department, vous tapez Bahrain International Circuit au Layout 2.2. Vous lancez la recherche. Et donc, normalement, ça va vous le donner assez rapidement. Voilà, vous pouvez avoir la vue générale, les différentes mises à jour, etc. Donc, Overview. Donc, c'est celui-ci qu'il faut prendre. Vous le téléchargez. Vous allez récupérer le fichier que vous allez placer, donc comme tout à l'heure, sur Content Manager, tout en haut à droite. Donc, moi, j'ai déjà installé le circuit, donc je vais faire cancel. Inutile de vous remontrer la procédure, vous connaissez déjà. On revient donc Content Manager, on va récupérer le mode. Donc on sélectionne les voitures, donc vous voyez qu'il y a plusieurs livrées, les skins 2023 qu'on a téléchargés et les skins d'origine qui sont aussi dessus. On sélectionne la voiture, on va chercher le circuit de Bahreïn, on sélectionne. Et on lance Content Manager pour démarrer la session de jeu. Je vous épargne les réglages, les menus, etc. L'idée de cette vidéo, c'est vraiment d'aller à l'essentiel, de vous présenter 2-3 modes qui me paraissent très pertinents. Cette combinaison sur Assetto Corsa est super intéressante. Les voitures ont des physiques très très réalistes. J'aime beaucoup. Même si, bien évidemment, on n'a aucune idée de la physique réelle des voitures, hein. J'ai jamais conduit une F1. Les voitures sont très très bien modélisées, elles sont très très belles, hein, toutes. Sauf la Mercedes qui me paraît un peu grise, hein. La livrée 2023, normalement, elle est noire. Le circuit est très propre, très bien modélisé, assez fidèle à la réalité, mais sans être extraordinaire non plus, là on touche les limites graphiques de Assetto Corsa. Même si avec des mods, on peut faire des choses extraordinaires. Le circuit de nuit est beaucoup plus beau, je trouve. Les lumières rentrent très bien. Et la bande sonore est excellente. Je vous laisse en juger par vous-même. Comme toute simulation de F1 qui se respecte, la prise en main est assez difficile au départ. Donc il faut vraiment s'habituer petit à petit. Le halo est très gênant en mode triple screen, hein, donc il faut le temps de s'habituer. Si vous n'êtes vraiment pas à l'aise avec le halo, on pourra l'enlever dans les réglages. Il faut vraiment calibrer ses temps de réaction hein, au départ. Il faut un certain temps d'adaptation. Le freinage est assez difficile à doser. Le trail braking également. Le trail braking, c'est la technique qui permet de maintenir le frein tout en tournant pour mieux prendre les virages. Attention à la réaccélération, elle peut vite partir en tête à queue. Très très grand respect aux vrais pilotes hein, qui conduisent dans des situations très très difficiles. Mais rassurez-vous, le plaisir de jouer vient assez rapidement quand on a pris ses marques à l'accélération, dans les virages, etc. Vraiment, il y a un vrai plaisir de conduite et un challenge à relever qui est super stimulant. Je vous guide vers le second combo, donc combo circuit et F1, qui est pour moi un cran au-dessus de ce qu'on a pu voir précédemment sur Assetto Corsa. Et ce combo est sur Air Factor 2. Dans Steam, on va sur la page du magasin de Air Factor 2. Voilà, vous arrivez sur cette page-là. Et vous faites voir les items disponibles. Là, vous avez un ensemble de circuits et de voitures disponible à l'achat, donc vous pouvez y avoir accès moyennant une petite somme. Donc là vous avez le circuit de Bahreïn International, donc le circuit de Sakhir. Vous faites ajouter au panier, payer bien sûr hein, vous pouvez alimenter votre compte Steam ou alors payer par PayPal. Et pour la voiture, vous allez
sur le workshop. Tout ce qui est disponible sur le workshop est gratuit. Donc là, vous mettez en mot-clé F1 dans la barre recherchée. Et donc, vous avez plusieurs modes. Donc c'est F1 2022 by AM sur lequel il faut s'abonner. Donc vous cliquez sur s'abonner et donc au lancement de R-Factor 2, le circuit et la voiture vont se télécharger et s'installer automatiquement. Allez, c'est parti pour passer en revue ce combo F1 circuit sur R-Factor 2. Mes impressions sur ce combo F1 sur R-Factor 2, c'est clairement plus vivant. Le force feedback, donc le retour de force, est vraiment excellent. C'est un point lié à R-Factor 2 en règle générale. Donc on a tous les ressentis, les aspérités de la route, le travail des pneus. Alors si on fait un fond plat, on ressent des vibrations très très importantes au niveau du volant. En tout cas, c'est très très bien fait. On a moins cette sensation de savonnette un peu qu'on peut avoir sur Assetto Corsa. La direction est très réactive. J'ai l'impression que je peux vraiment conduire à la limite régulièrement sur ce circuit et cette voiture. Par contre, je trouve que les voitures sont meilleures, sont mieux modélisées sur le mode RSS. Les sons des moteurs sont aussi meilleurs sur le mode RSS sur Assetto. De plus, il n'y a pas les skins 2023 pour ce mode. En tout cas, je ne les ai pas trouvés. Les repères sont plus faciles à trouver en termes de freinage, d'accélération et même de virage. Il y a un meilleur dosage du frein, je trouve. Une meilleure gestion du trail braking aussi. On arrive à l'entrée du virage plus facilement à freiner en maintenant le freinage et en réaccélérant par la suite. J'ai constaté qu'on pouvait faire des bons départs, des départs canons sur ce mode. L'intelligence artificielle est vraiment supérieure sur le mode de R-Factor 2. Assetto Corsa n'a jamais été réputé pour la gestion de son intelligence artificielle, malheureusement. Les étincelles sous les châssis sont très très bien gérées, elles sont très belles. Sur Assetto, les étincelles aussi sont gérées avec le custom shader patch, mais rendent un petit peu moins bien. Le circuit sur le mode de R-Factor 2 est juste sublime, les lumières sont magnifiques, les ombres également, le tarmac est très très bien restitué, vraiment rien à dire, c'est une reproduction laser scannée en plus, toutes les données d'élévation sont réelles, c'est hyper réaliste. Le résultat est bluffant, que ce soit de jour ou de nuit. Pour résumer, la comparaison révèle que les deux simulations offrent une immersion remarquable. Mais R-Factor 2 se distingue par son réalisme poussé à l'extrême, bien qu'il soit plus difficile à prendre en main, mais aussi plus intuitif que Assetto Corsa. En fin de compte, le choix de la simulation dépendra des préférences individuelles de chaque joueur. Voilà, on se quitte pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Alors c'est ma première vidéo, j'espère avoir été à la hauteur. Si vous avez des remarques, des suggestions, des commentaires, je suis preneur. Pour la prochaine vidéo, restez connectés, je m'attaque à un monument du sim racing. N'hésitez surtout pas si vous avez d'autres suggestions. A très bientôt, ciao ciao.